assume pas crédible. Chut. Attends, et tu vas pas défendre cette merde. Putain, sans déconner, regarde leur masque à la con. J'ai encore peur des clowns en plus maintenant. Quoi? Tu plaisantes, t'es terrifié. C'est magnifique, mais c'est terrifiant. Regarde. Elle leur a fait confiance parce qu'ils avaient un sourire jusque-là. Maintenant, elle le paye très cher. Je vais meurtrir sa chair parce que son seul tort à elle aurait été de leur faire confiance. Finalement, elle est une victime que de sa propre naïveté. Et elle devient le martyr d'une société lâche qui l'a trahi bien planquée derrière leur masque souriant. C'est beau. Oh, oh oui, oh quelle poésie, quelle métaphore. Bon allez, bonne branlette. Je sais à quoi tu penses, Sam. Mais j'y peux rien, excuse-moi. Les excuses sont réservées aux faibles. Tu n'es pas faible, toi, Sam. Arrête. Tu sais très bien ce que je veux dire. Allons, Sam. C'était une traînée. Une putain qui n'avait que faire de ce que tu es. Tu crois que je suis faible? Bien sûr que non. Tu es un artiste, Sam. Un poète dont elle n'a pas entendu les vers. Un peintre dont elle n'a pas vu les couleurs. Elle est comme tous ces rats dehors qui te sourient puis te crachent au visage. Ouais, mais... Moi je croyais... Tu croyais mal. C'est tout. Laisse-moi intervenir la prochaine fois. Non, ça ira, je te remercie. Allons. Fais pas cette tête. Ris un peu. Salut Maurice, tout roule ? Bonjour copain. Ça va alors? Comment ça va? Ça va. Alors tu l'as reçu? Ah. Juste à temps. T'as eu peur, hein? Ça, 75 pour toi. Je... Merci. Et ben voilà, 75, le compte est bon. Et donc vous comptez acheter la boutique? Et il faut pas me déranger, faut pas me déranger tout ça parce qu'après c'est moi qui range. Hein. Et attends copain, tu passes demain, j'aurai quelque chose pour toi. Cool. À demain alors. Ouais, alors bon. Alors. Thank you.
Julia. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Je faisais qu'exprimer une sorte de catharsis Chanel avec toi parce qu'en fait, la pulsion de sexe, c'est comme la pulsion de mort, tu vois? Ah non. Attends, c'est le diable en personne qui te l'a dit, c'est ça? Mais putain, mais on avait dit que si je te faisais mal, tu me le disais. Mais putain, mais redescends sur Terre, ça me redescend! Dans le grand marginal frustré, le putain compris du siècle! Mais révulte-toi, bordel, révulte-toi! Ah oui. Ah oui, Sammy. Sammy, il est spécial. Un peu chelou. Mais c'est sympa. C'est original. Mon cul! T'es qu'une merde! T'es malsain. T'es insensible, t'es égoïste. T'écrases les gens. Tu comprends ça? Tu les écrases. Tu les vides, tu les puises, tu draines toute leur énergie avec des trucs de merde pour attarder manteaux. Mais t'es faible! T'es faible! Pour tout! Dans toutes circonstances! Faut pas s'étonner si personne veut ta gueule. Ouvre-toi aux autres. Ils s'ouvriront en retour. C'est dingue. Hein? Ouvre-toi un peu aux autres. Ouvre-toi. Pourquoi t'es resté là sans rien faire? Je doute que de confectionner un masque avec sa peau ait été une solution envisageable pour toi sur le moment. Je te parle pas de ça. Tu as raison. Tu aurais plutôt dû l'engrosser dans le seul et unique but de sauter à pieds joints sur son abdomen 8 mois et demi plus tard. Ouais. Où j'aurais pu l'enfermer dans une cave et la nourrir avec des morceaux de la bite de l'autre connard. Tu vois quand tu veux. J'ai vu une fille hier chez Maurice. Et? Et elle m'a souri. Sûrement une autre putain hypocrite. Ouais, je sais pas, elle a l'air gentille. Presque. Ah bah, tiens, tu tombes bien, copain. J'étais justement en train de m'occuper de ton truc. Ah ouais? Un sacrifice pour Satan. Tu sais que c'est super rare, ça? Ah bah si, je le sais. Il paraît que c'est le film qui a enterré sa carrière, alors qu'en fait, c'est peut-être son plus grand chef-d'œuvre. Ah. Et c'est combien? Bah 180. Ah ouais. Ah quand même. J'aurais dit moins, mais... Ah oui, mais comme tu dis, c'est son chef-d'œuvre. Et puis tu sais, ce genre de truc, normalement, on ne sort plus, là. On le fout dans les coffres, on spécule. 10 ans après, ça vaut le prix d'une bagnole. Ouais. Et n'oublie pas que c'est dans celui-ci qu'il y a... une très belle scène de viol de femme enceinte. Ouais, ouais, je sais. Tiens, prends un sac, c'est cadeau. Ouais. Garde la monnaie, hein. C'est cool, hein. Merci, Maurice. Mais c'est moi qui te remercie, copain. Excuse-moi. Hey, excuse-moi. Sam, c'est ça? Ouais. Moi, c'est Lily. Enchantée. Enchantée? Tu viens souvent ici? Moi? Carrément, c'est ma deuxième maison ici. Ah ouais? Ouais. c'est cool. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est rare pour une fille de... Enfin, non. Bref, enfin, ça fait un moment que je te vois traîner dans le coin et en fait, si je t'arrête, c'est parce que... voilà, tiens. Avec des amis, on organise une soirée un peu privée et vu qu'on a l'air d'être un petit peu dans le... Enfin, d'aimer à peu près les mêmes trucs, je me suis dit que ça pouvait peut-être te plaire de... Ouais. De passer, enfin... Enfin, non. En fait,
Je suis désolé en ce moment, j'ai plein de... Je suis vachement occupé. Ok, y a pas de soucis, y a pas de problème, je comprends tout à fait. Et merci. Ouais, enfin si jamais tu changes d'avis, en tout cas ça me ferait... Voilà, ça me ferait plaisir d'être là. À une prochaine fois, Sam, alors. Salut. Pense pas vraiment, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? Ça me ferait du bien. Par pitié, Sam. Tu ne vas pas tomber dans le piège aussi facilement. Mais de quoi tu me parles là? C'est bon, c'est juste une soirée. Dois-je te rappeler qui ils sont, Sam? Ou aurais-tu pris goût à la raillerie et à l'humiliation? Bah ouais, mais vu que t'es le seul à qui je parle, je commence à me demander si c'est pas un peu normal tout ça, tu vois? C'est pas content, mais je suis plus un gamin, tu sais. Je peux m'en sortir tout seul. Sache que je ne veux que ton bien, Sam. Oui, mais je sais. J'ai pas besoin de toi sur ce coup-là. Ça va aller. Un sacrifice pour Satan. Tu l'as vu?
C'est un poème morbide, extraordinaire. C'est considéré comme le film qui a enterré la carrière de l'auteur, alors qu'en fait, c'est peut-être son plus grand chef-d'œuvre. Là, je t'avais entendu. Mais ça t'a coûté vachement cher, non? Ouais, ouais. Tu sais, j'ai plein d'autres films aussi chers à la maison. Je sais pas, tu connais... Le diable à sept visages? Non? Ou... La fille du démon? Non? C'est très mignon, ça. Quoi? C'est très mignon. Sam? Sam, ça va? Ouais. Excuse-moi, en fait, je me sens pas très bien. Je vais rentrer parce que là, ça va vraiment pas. Je peux rentrer avec toi? Ça t'ennuie pas? Vraiment? Ouais. Ouais, viens. Ouais. C'est quoi ça? Quoi? Attends, quoi? C'est quoi ça? Mais quoi? Sam. Attends les gars, attendez. Eh bah putain, tu perds pas de temps. Les mecs, attendez. Ouais, tu te dépêches, on a pas que ça à faire, putain. Attendez, non, non. Fausse alerte, putain. Fausse alerte. Quoi? Comment ça, fausse alerte? Ça vaut rien. Je suis désolée. Tu te fous de la gueule de qui, putain? T'as dit qu'il était blindé? Ouais, mais il s'est fait entuber, voilà, c'est tout, je savais pas. Et tu pouvais pas te dire avant qu'on débarque? Non, mais je viens de le voir, tu m'as même pas laissé putain, le temps. Putain, Lily, tu fais chier. Je suis désolée, putain. Désolée, j'ai merdé. Ouais, t'as merdé. T'as sacrément merdé, ouais. Mais ferme ta gueule, toi. Ta gueule. Ta gueule, toi. Bon, on s'en branle. Tu prends tout. Tu prends ça et tu prends les tableaux, là. Quoi? Non, mais t'imagines pas combien on peut tirer de ces croûtes. Tu prends les tableaux, tu prends tout ce que tu peux et on se casse. Mais ferme ta gueule, toi, espèce d'autiste. T'as rien demandé, là. T'as pas la peine d'être violent, il fera rien. Mais si tu vérifiais tes sources, on serait peut-être pas obligé. Putain, mais j'ai déjà dit que j'étais désolée, ça va. Bon. Non, c'est pas bon! Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ces merdes-là? Bah, tous les bras, on se casse! Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé la dernière fois que je t'ai tapé? Non, tu vas te calmer, tu vas embarquer tout ce que tu peux et on se casse! Un jour, on va tomber à cause de cette conne, tu comprends ça? Mais putain, mais t'as pas quoi pour couper cette merde? Ah!
Pourquoi t'as fait ça? Allez, fais pas cette tête, Sam. Rie un peu. Allons, copain. Sam.